Loi d'attraction. Au cours de votre vie, vous en êtes venu à accepter certaines lois terrestres, reconnaissant l'effet identique qu'elles ont sur vous tous. Exemple, la loi de la gravité. Puisque vous l'avez acceptée, que vous la comprenez grâce à l'expérience que vous en avez, vous pouvez l'utiliser pleinement à votre avantage. Nous aimerions vous rappeler l'existence d'une autre loi qui, elle est universelle. À l'instar de la loi de la gravité, elle s'applique à tous sans exception, peu importe que vous la compreniez ou l'acceptiez. Alors que la loi de la gravité gouverne votre réalité physique, cette autre loi concerne autant la dimension physique que non physique. Il s'agit de la loi d'attraction. Cette loi est éternelle et s'applique partout. Elle est le fondement de l'existence et de la croissance de toute chose. C'est vraiment la loi la plus puissante qui soit. Elle maintient votre planète et tout le reste de l'univers dans un parfait équilibre. Nous lui devons notre existence. C'est grâce à elle que votre croissance peut se poursuivre. Cette loi d'attraction est si simple qu'il est surprenant de constater que plusieurs d'entre vous ne la comprennent pas vous en êtes venu à croire en une loi d'assertion qui n'existe pas et qui est à l'opposé de la loi d'attraction. Lorsque vous examinez votre expérience personnelle et attribuez à quelqu'un d'autre le mérite ou la responsabilité de ce qui vous arrive, peu importe que ce soit selon vous une bonne ou une mauvaise chose, vous faites une affirmation, une assertion qui n'est pas réelle. Vous êtes la seule et unique source d'attraction de ce qui entre dans votre champ d'expérience. Personne d'autre que vous ne peut s'immiscer dans votre vie. Même si vous semblez parfois être attiré dans le champ d'expérience d'un autre, vous demeurez toujours celui qui exerce le plus grand pouvoir d'attraction à l'égard de ce qui vous arrive. C'est la combinaison de votre pensée consciente et de son sentiment correspondant qui détermine votre véritable pouvoir magnétique d'attraction. Lorsqu'une pensée se forme, vous éprouvez une émotion et, ce faisant, de vous rayonne une force qui attire des choses de même nature. Lorsque vous concentrez votre pensée sur une chose fortement désirée et que vous éprouvez de la joie, la pensée choisie, associée à l'émotion positive, attire à vous l'objet de votre pensée et de votre émotion. De même, si vous accordez votre attention à quelque chose que vous ne souhaitez pas, ou au manque par rapport à ce que vous désirez dans votre vie, et que vous éprouvez de la déception ou de la colère, la fusion entre votre pensée et cette émotion négative aura pour effet d'attirer à vous l'objet de votre pensée et de l'émotion apparentée. L'équilibre de vos pensées, des émotions qu'elles suscitent, détermine le genre d'expérience que vous connaîtrez. Si vous désirez comprendre où se situe l'équilibre de vos pensées, il vous suffit de regarder ce que vous vivez. Si vous voulez y changer des choses, il vous suffit de modifier l'équilibre de vos pensées. Votre situation actuelle est le résultat des pensées et des émotions que vous avez eues auparavant, mais ce qu'elle deviendra dépend de la perception que vous en avez en ce moment. Certaines personnes nous ont demandé Abraham, vous affirmez que je peux avoir ce que je veux et que la volonté est le début de toute création délibérée. Pourtant, depuis aussi longtemps que je me souvienne, je désire avoir plus d'argent mais n'en vois toujours pas la couleur. Qu'est-ce que je fais d'incorrect Si votre désir se limite simplement à en vouloir plus, vous éprouvez certainement un sentiment positif à cet égard. Mais si vous pensez davantage au manque d'argent, en ce cas vous ressentez sûrement une émotion négative lorsque vous y pensez. Le sentiment qui prédomine en vous, tout comme ce que vous vivez, est un bon indice de l'équilibre de vos pensées. Si vous parvenez à la conclusion que, dans l'ensemble, vous avez tendance à déplorer plus souvent le fait que vous manquez d'argent au lieu de vous concentrer simplement sur le désir d'en obtenir plus, voici une méthode efficace qui vous aidera à faire pencher la balance dans l'autre sens. Mettez de côté une certaine somme tirée de votre budget ou de vos économies, par exemple une centaine de dollars. Conservez cette somme sur vous où que vous alliez. Au courant de la journée, identifiez autant de choses que possible que vous aimeriez faire avec cet argent. Prenez note des choses que vous pourriez acheter, utiliser, essayer ou manger en échange. Certains se sont gentiment moqués de nous en disant que, de toute évidence, nous n'avions pas vécu en ce monde depuis longtemps, puisqu'on ne peut pas acheter grand-chose avec cent dollars aujourd'hui. Cependant, si vous dépensez mentalement cette somme plus d'un millier de fois dans la même journée, vous aurez alors l'impression d'avoir dépensé cent mille dollars. Nous vous garantissons qu'en pareil cas, vous aurez réussi à changer l'équilibre de vos pensées. Cet exercice vous éclairera sur les pensées que vous entretenez à propos de l'argent. Si vous remarquez les choses que vous ne pouvez vous permettre d'acheter, et en ressentez une frustration, sachez que vous faites pencher la balance de vos pensées du côté d'un sentiment de manque. Si vous éprouvez de l'envie ou de la colère parce que d'autres sont plus fortunés que vous, vous amplifiez le sentiment de manque et donc le déséquilibre en vous. Quand vous payez vos factures mensuelles, vous sentez-vous bien ou mal Lorsque vous utilisez l'argent, cela vous laisse-t-il une impression positive ou négative La méthode décrite précédemment vous aidera à modifier l'équilibre de vos pensées à l'égard de l'argent, et dès l'instant où la balance penchera de l'autre côté, l'argent commencera à affluer vers vous. Ainsi le veut la loi d'attraction.